Pour moi, c'est une surprise. Mais bon, à savoir qu'en 2017, je m'étais présentée comme candidate. Bon, j'avais fait 11,90%. Là, je m'aperçois que malgré tout, les électeurs ont cru en moi. Donc, j'ai quand même une bonne augmentation, voire le double. Et donc, je m'en félicite, mais je félicite surtout les électeurs. Et j'espère que pour le deuxième tour, ils seront présents et qu'ils seront au rendez-vous le jour du vote, donc le 19 juin. Très satisfaite, mais pas surprise, parce que lors de mes déplacements sur le terrain, quand j'étais à l'encontre des personnes, hein, des élus, j'ai entendu leur désarroi, qu'ils doivent les mêmes les payer, ils ont leur mécontentement. Donc moi, je les ai écoutés. Donc non, je ne suis pas surprise. Et du coup, ils ont cherché un programme qui leur convenait, et c'était celui de Marine pour contrer M. Macron.